Bonsoir tout le monde, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue aujourd'hui, nous sommes avec William. Bonsoir William. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait fait une vidéo sur les objets What the fuck de chez Wish. D'ailleurs, on avait récupéré William, si tu veux bien nous le présenter. On avait récupéré un joli casou, on l'est complètement fou. Alors j'adore, je l'ai même pas lâché, je l'ai gardé en fait. On l'a gardé, c'est un truc de fou. Vraiment les gens, merci pour tous vos likes sous la vidéo, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Si on pouvait refaire péter ça, et on fera éventuellement un troisième épisode. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale de Wish. Je pense qu'une série va démarrer, ça va s'appeler Apprends la magie avec Wish. Il y a des tours de magie, il y a un peu de tout, vous allez voir. Hey! Alors, ouh! Viens voir, c'est à moi ça, voilà, c'est pas ça toi. Ça va, non monsieur? C'est à moi, je vous rappelle. Voilà. Donc, bien sûr, j'avais rien pour écrire. Voilà, j'ai acheté un crayon chez Wish. Est-ce que tu sais que c'est un crayon magique, William? Je vais te faire un tour de magie. Attends, ça va être dur parce que je me suis jamais entraîné en fait. Vas-y. C'est la première fois que je l'utilise. Regardez les gens, je vous fais un tour de magie. Vous voyez ce stylo? Attendez, parce que. Interdit de faire des regards insistants sur le magicien. Hein. Il faut que le magicien se prépare. Assistant, si vous voulez bien jouer pendant que je me prépare. Et crac, oh, je viens de transpercer la feuille avec le stylo. Regardez ça. Elle est transpercée, William, est-ce que t'es prêt? Attention, ça va être un tour de magie, ça va être exceptionnel, les gens, hein, voilà. Si vous êtes chaud, vous mettez un petit like et je vous ferai une vidéo explication sur les tours de magie qu'on va voir. Attention, est-ce que t'es prêt, William, si tu veux bien souffler? Et hop là, regarde, il n'a rien du tout. Et tu peux bien sûr inspecter le stylo, il n'a rien. C'est quoi cette connerie? Il écrit, il marche en plus. Donc je vais te laisser piocher un autre objet. Ah oui. Il me semble qu'il y a deux tours de magie, je crois, dans le sac. Hein. Voilà, il n'y a pas que des tours de magie, mais il y a deux tours de magie. Apprends la magie avec Wish. Hey. Ouh, alors ça. Ah, ça. C'est très spécial, William. Oh, c'est quoi ça? C'est très spécial. En fait, c'est du gel magique. Ah oui. Pour nettoyer les claviers. Les claviers. Tu vois. En fait, ça. Les téléphones. D'accord. En fait, ça prend la poussière. Voilà. Ça ramasse les poussières. Voilà. Un gros pied collant. Ah. Sérieux, fais voir. Je sais pas d'où ça vient, tiens. Bon. C'est quoi? C'est du slime en fait. C'est censé. Voilà, si tu veux, tu fais ça comme ça. Tu ça vois. Ça s'agglutine. Après, tu prends et tu fais ça. Voilà. Et là, il a récupéré on rien a du tout. Un beau clavier de chez Wish. Un beau clavier de chez Wish. Un piment 3D. Je l'ai emmené dans sa boîte, tiens. Ouais. On peut le revendre. On peut le revendre. Voilà. Ouais, voilà. Un balle. Deux. On va faire petit pec. Deux balles. Non. Allez-y, William, je te laisse piocher un nouvel objet. Attention, nouvel objet de chez Wish. Ouh, alors ça, pareil. Ah, ça, c'est à moi, ça, William. Excuse-moi. Donc, je ne sais pas du tout comment ça marche. Parce que je ne l'ai jamais. C'est plein de petits paquets à l'intérieur. Voilà. C'est censé, en fait, tu caches ça dans tes mains apparemment et c'est censé faire de la fumée. Ah ouais? Ouais, bah écoute, j'en sais rien, on va essayer, voilà. Il y a plein de machins comme ça à l'intérieur, si vous voulez, et c'est censé faire de la fumée avec les doigts. Je sais pas comment ça marche. Ah ouais, ok, d'accord, attends. Ça marche pas. Non? Ça marche pas, franchement. Bah attends, mais faut regarder peut-être un tuto. Tu tapes toi, fumée Wish sur internet, peut-être il y a quelque chose. Non, ça marche pas, mon vieux. Y a pas de tuto, y a rien, quoi. C'est marqué El Smoke derrière Madin China, quoi. Attends, fais voir un briquet, William, peut-être. Ça y est, on est reparti pour 40 minutes de vidéo. Oh, comment c'est pourri. Non. Attends, on va vous montrer comment ça marche, les gens. On va vous montrer comment ça marche. Bah, c'est affreux. Comment que ça pue, ça va déclencher l'alarme. Comment que ça fume, mon vieux. Est-ce que c'était vraiment obligé de brûler le deuxième? Je sais pas. Ouais. Par précaution. Par précaution. Bah après en fait après si tu veux. Parce que là déjà la magie elle est là. La magie est là. La magie est magique. La
la magie s'envole. La magie s'envole. Non, ah, en fait, ça y est, c'est presque cuit. Après, attends. Ouais, c'est presque cuit. Ouais. Après, si vous voulez, on récupère une espèce de cendre en papier là. On sait pas trop c'est quoi. On va le mettre dans nos doigts et on va claquer des doigts et ça va faire de la magie. Vas-y. Et donc en fait. Ah ouais. Ah ouais. Comment que c'est pourri, mon vieux. À mort. Putain, ça sert à rien. Ça sert à rien, quoi. C'est un que dalle. Vas-y, il faut en mettre une tonne quand même. Faut en mettre une tonne. Il faut vraiment un saut de 10 litres pour. Ouais, faut un saut de 10 litres pour faire un tour de magie. Ça, ça fume encore en fait. En fait, ça fume même juste sur le bout. Ah ouais. Regardez. Ah ouais. Oh, regarde-moi, ça marche bien. Regarde-moi aussi. C'est tellement pourri, mon vieux. La mort. Ça sert à que dalle. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Vas-y, pioche, attention. Ouh, ça fait un gros truc. Ouh, c'est un gros truc. Ah oui. Ouh. Alors ça, c'est pour Nasco. C'est une souris radiocommandée. C'est une souris. RC, les gens. Voilà, radio commandée. Comment c'est sérieux quand on dit ça? Ouais, c'est sérieux, on croirait qu'on parle de drone, je sais pas. Alors qu'en fait, on parle d'une souris à deux balles. Attends, t'es sûr que c'est là que ça se met les piles? Ouais. Ah, bah y'en a aussi dans la télécommande, il faut. Vas-y. Voilà, petit test avec la souris. Vas-y, fais l'avancer là-bas, bien. En fait, tu peux pas la faire tourner, je crois, bien. Non, je peux pas. Oh! Elle tourne toute seule. Attention, lumière, cochon, lumière. Souris de chez Wish, hein? C'est fait. Le chat, on a rien à foutre. Ah bon? C'était un petit hors-série. Voilà, il y avait pas trop de magie. Ouh. Mais la magie de Wish opère toujours. La magie de Wish est toujours là. Ouh. Ah! Alors ça, j'ai trouvé ça sympa quand je l'ai commandé. Voilà, il faut que tu arrives à faire léviter la balle. Ah! Pas mal, joli. Ah ouais. Oh bien, joli. Ah ouais, franchement, putain, tu déchires. Ouais, hein. Ouais, fais voir que j'essaye. Du premier coup. J'ai bien fait ça, attention. Attends, je vais vous montrer. Ah ouais. Je vais vous montrer, attention. Faut souffler fort quand même, non? Un peu quand même. Hey, quel magicien. Oh. Non, mais c'est trop bien fait. Tu l'as fait monter bien, au vieux. T'as vu ça? Elle était trop haute, là. Attends, elle était bien, là. Pas mort. On peut pas aller plus haut. Ouais, GG. Franchement, ça va être dur à battre là. On peut pas aller plus haut. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, pour deux balles. Wish. Ouais, Wish. Hein? Bon vendre. Bon vendre. Bon vendre celui-là. Hein. Bien, Wish. Hein. Ouais. Allez, William, je te propose tout de suite. Et là, Nasco, laisse ta télécommande. Nasco, hein, c'est pas ce tour-là qu'il faut attaquer la souris. C'était tout à l'heure. Alors, avant que je vous raconte l'histoire, voilà, c'est un serpent de chez Wish. Peut-être qu'on va le sortir. Et on va le sortir. Voilà. Il respire pas. Hein. Il respire pas. Et si vous voulez, sur la photo, il était vraiment mais immense, quoi. Il faisait au moins 2 mètres. Il faisait 2-3 mètres, mon vieux, un vrai. Un anaconda. Un anaconda sur la photo. Et mon dieu, quelle fut ma déception quand je l'ai reçu dans une pochette grande comme ça. De retrouver une lisette. Pour la pêche, Nasco. J'avais commandé un anaconda, je me retrouvais avec un ver de terre, avec un lombric. Un lombric. Ah, ça l'intéresse, le chat. Regarde, ça l'intéresse, là. Regarde, c'est quoi ça? Ah, ça l'intéresse plus que la souris, ça. Regarde comment il est intrigué. Regarde comment il est intrigué. L'esprit félin est là. Allez,
suivant. Allez. Qu'il a pété la truc. Non, franchement, déçu. Déçu. Ah ouais, mort. Je pensais que c'était un gros serpent. Moi, sur la photo, il était énorme. Je pioche. Ah bah, je pioche. Voilà. Je vois déjà le fond. Dernier bah, je vois déjà le fond. C'est le dernier. Ah bah, c'est le dernier. Franchement, on dirait de la semoule pas cuite. Ouais, on dirait. Ah bah, attends, je suis obligé de tout péter. Ouais, vas-y, mais pète-le. T'as vu? C'est pas mal, hein, quand même. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pourri. C'est pourri. Écoute, moi quand je suis sur Wish, moi je me pose pas de questions quand je suis sur Wish, je vais sur le rayon tout à deux balles. Je vais faire encore la lisette, mon. Voilà. Donc voilà les gens, le slime bizarre, c'était le dernier objet de chez Wish pour cette vidéo. Le dernier de la collection. Mais si vous êtes chaud pour toujours plus de magie chez Wish, eh bien n'hésitez pas à faire péter un max de pouces bleus sous la vidéo, les gens. Je compte sur vous. Bye bye. Coupé.